gouverneur. J'ai encore dû m'occuper de cet abruti d'ivrogne. Cette fois, il a presque pété la porte avec un cric de maintenance. Il doit sûrement se croire en sécurité ici, il veut s'y enfermer. J'y laisse se faire foutre. On a d'autres chats à fouetter que de babysitter des poireaux. Enfin bon, je l'ai bouclé dans le coffre des pièces à conviction. Laisse ce connard cuver. Thank you.
où? Ouais. Ok. Je voudrais soumettre une plainte à la plus haute autorité, c'est compris? Je m'appelle Zachary Watson. W-A-T-S-O-N. Vous avez tout? Très bien. La plainte est la suivante. Les putains de Marshall. Voilà ma plainte. Il ferait mieux de nous protéger. C'est leur boulot. Il y a un truc sur la station avec nous. Et personne ne sait ce que c'est. Pourquoi ils nous disent pas, les Marshall? Ils m'ont juste enfermé. C'est con. Je veux déposer une plainte. Je l'ai déjà dit, non? Je te jure. J'ai vraiment peur, mec. J'ai vraiment... Putain, j'écris trop. Personne n'est venu. Je me les pèle ici. Je crois que cette saloperie marche même pas. Je crois que j'en ai plus besoin que toi. Je m'entretiens Haist. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Haist? Écoute, si t'as pas envie de me dire ton nom, on va être là pour un bon bout de temps. Je veux juste en savoir plus sur ton boss. Il vous a tous mis dans un bordel pas possible. Quelqu'un va devoir rendre des comptes. Je vais bien m'assurer que quelqu'un soit responsable. Non? Dur à cuire, c'est ça? Turner, arrête l'enregistrement. Peut-être que notre ami est juste un peu timide. Geste. Ok, ok. Maintenant, tourne-toi. Mon nom est Ripley. Et tu sors d'où, Ripley? De l'extérieur, d'un vaisseau. Y a pas de vaisseau, ici. Maintenant, si. Bah ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça craint pas mal ici. Il vient d'avoir une explosion. Ça a tout secoué dans le coin. J'ai vu ça. Mais ça... c'est bien le dernier de nos soucis. Ah ouais? Ouais. Il y a quelque chose sur la station. Un truc assez incroyable. Genre quoi? Un tueur. Tu comprends? D'accord. D'accord. Et toi, t'es qui? Axel. J'ai embarqué avec deux collègues. On a fait une EVA. L'explosion nous a séparés. Tu veux bien m'aider à les retrouver? Pourquoi? T'as l'air de connaître les environs. Ah, je dirais. Pourquoi? J'y gagne quoi, moi? Une place sur le vaisseau. Et
Comment je sais si je peux te faire confiance? Faut que je trouve le centre de com. J'ai besoin de contacter mon appareil. Alors là, c'est ton jour de chance. C'est parti, poupée. Sixon Communications se trouve dans la tour Systech. C'est pas la porte à côté, mais on peut atteindre un transit par la zone de fret. Mais fais gaffe, on tombe toujours sur un pépin là-bas. Ok. Dépêche, j'ai pas envie de m'éterniser ici. C'était toi qui me suivais, là? Fallait bien que je garde mes distances. On n'est jamais trop prudent ici. Reste à côté de moi. Quoi? Hé! Hey, pas un geste! Ok, d'accord. On n'est pas là pour chercher les embrouilles. Vous êtes qui, vous? Moi, c'est John. Ça, c'est Ringo. C'est juste une paire de connards. On a d'autres choses à faire. Allez, viens, Janna. On cherche le centre de com. Vous pouvez nous aider? On n'a pas besoin de leur aide. Tu leur dis rien. Écoute, j'ai réussi à faire marcher l'ascenseur. Janna, tirons-nous d'ici, ok? Je suis désolée. Bonne chance. Je peux savoir à quoi tu joues? Pourquoi tu leur aboies dessus? Tout le monde a les boules. Plus personne se fait confiance. C'est plus sûr comme ça. J'espère pour toi que ton vaisseau, c'est pas des bobards. Attends là, je m'occupe de l'ascenseur. Tu permets? C'est un vieux machin, faut un doigté spécial. Eh ben, qu'est-ce que t'attends comme ça? Appuie sur le bouton. J'apprécierais grandement que tu me dises ce qui se passe ici. Et tout de suite! Écoute-moi bien, mon petit. Si tu veux, quand on retournera sur le vaisseau, on pourra se détendre, se faire des tresses dans les cheveux et papoter autant que tu veux. Ouais, quand on sera sur mon vaisseau. J'ai besoin de savoir ce qui se passe et pas dans 107 ans! Ok, comme je te l'ai dit, il y a un tueur dans les parages. Un tueur? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai pas vu, mais il est ici. Ça, c'est sûr. Il nous chope un par un. Tu me parles de quoi? Un psychopathe? Un dégénéré? Non, c'est autre chose. Un monstre. Faut qu'on décampe. Par là, baisse-toi. C'est des conneries, ça, putain. On ferait mieux de chercher une sortie. T'es complètement dingue? Y a aucun moyen de sortir de cet endroit. Au moins ici, on est en sécurité. Ouais, mais pour combien de temps? Et on fait quoi s'ils nous tombent dessus, hein? Bah, on leur tire dessus. Maintenant, ferme-la. T'es en train de me faire flipper. Je pense qu'on n'avait pas le choix, mais c'était votre idée, pas la mienne.
Des ennuis. Va falloir qu'on fasse le tour. Suis-moi. On va s'en sortir, promis. Des amis à toi ? Je suis déjà embrouillé avec ces gars-là une fois. J'aime pas trop les étrangers, même les gentlemen comme moi. C'est étonnant. Je te raconte pas de salade petite. Si tu veux y aller, leur faire coucou, tu signes ton arrêt de mort. Leurs flingues sont pas là pour faire joli. Il faut que quelqu'un agisse. C'est ce qu'ils font. Entre nous, on appelle ça l'instinct de survie. Tournent tous les uns contre les autres. La peur, ça rend les gens complètement sales. J'avais remarqué. C'est là-dedans que tu vis ? Excuse-moi, mon majordome est en vacances. Prends tout ce que tu veux. Il n'y aura peut-être pas d'autre occasion de le faire par ici. Ça va faire une semaine que je me terre ici en attendant un vaisseau. C'est peut-être vous que j'attendais. Il peut faire vachement sombre par ici. Tu devrais prendre cette lampe torche là-bas. N'oublie pas de faire le plein de piles avant de partir. Tu feras gaffe de pas l'allumer n'importe où. J'ai pas trop envie qu'on se fasse repérer. On y va.